Alors, moi c'est Anthony Evelyne. Ça fait 2 ans que je suis locataire dans cet appartement du coup. Et Regarde la porte. C'est bon. Ouais. là. Non, pas la caméra. Ça fait 2 ans que je suis du coup locataire de cet appartement. Et voilà, donc j'ai vécu beaucoup d'événements paranormaux, des phénomènes inexplicables qu'on pourrait pas expliquer quoi. Ouais, ça coule de source. Quand vous dites paranormal, vous pensez à quoi? J'ai eu des objets qui ont bougé, des bruits la nuit. D'accord. Donc ça c'est ma salle de bain. Alors comme je vous ai expliqué, il s'est déjà passé des événements paranormaux. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, quand j'étais sur mes toilettes. Qu'est-ce qui se passe? Tu l'as vu ça? Tu l'as vu, tu l'as filmé. Putain. Monsieur, il a recommencé. C'est pas possible. Il a recommencé. Mais laisse-moi tranquille. Enfin, je suis de plus en plus témoin de ce genre de phénomène. La dernière fois, je suis rentré chez moi. Tout l'appartement, il était propre, quoi. Il a passé un serre-pierre. Le bon lit était fait, le frigo a été rempli. Il m'a même forcé à prendre une douche. C'est pas une vie, je suis désolé, c'est pas une vie. Je peux pas continuer comme ça. Monsieur. Bonjour. Bonjour. Enchanté, Dan Warning, je me présente. Oui, bien bonjour. Merci d'être venu. C'est parfait. Bonjour. Ça va? Bonjour, Dan Warning, je me présente. J'ai entendu. C'est votre demeure ici? Oui. Très chaleureux, très agréable. Très... Bonjour, je ne vous avais pas vu. Bonjour. Oui. Dan Warning, je me présente. Oui. Oui. Oui, je suis là pour ça. Oui, on va y remédier. Vous habitez ici? Très bien, on va commencer la séance. Alors, avant tout, je vais me représenter. Je suis Ned Warning, démonologue, ou plus communément appelé enquêteur dans le paranormal, ou si vous voulez, médium, ou aussi plus communément appelé voyant. Pas mal. Est-ce que vous auriez des questions? Effectivement, j'avais une question. Comme ça fait longtemps que je subis ces événements paranormaux, est-ce que en quittant mon appartement, ça me permettrait de faire fuir l'entité? Vous savez, être hanté, c'est comme marcher dans un chewing-gum. Ça fait chier. Évidemment, la question fondamentale, est-ce que vous êtes sûr que votre demeure abrite une entité? Oui. Est-ce que l'entité se serait peut-être présentée à vous, aurait tenté la communication? Alors oui, il a déjà essayé de se présenter un soir. Il est venu vers moi, il s'est présenté, il a fait « Bonjour, mes chers compatriotes, c'est Nicolas Sarkozy. » Et salut à tous, c'est Jean-Luc Reichmann, bienvenue dans les 12 coups de midi. Mon précieux, oh oui, mon précieux. Non, c'est pas vrai, il a rien fait. D'accord. À présent, nous allons commencer le processus de l'exorcisme. Je vais vous demander à tous de rester calme et de vous baser sur mon inspiration, très bien? Mettez-vous à côté de moi. Parfait. On peut y aller. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bouge pas! Je sens l'entité qui établit le contact. Décris-le à la caméra, explique à la caméra, c'est quoi? Petit mais costaud. On va dire être trop satanas. Monsieur Warning, vous êtes là?